A partire dallo scorso ottobre comincia una seconda ondata di scioperi dei sans-papiers, indetta da 5 sindacati, 3 partiti e varie associazioni. Vi aderiscono all'inizio 6.000 persone, ora circa 1 migliaio, e molti occupanti dello stabile di Rue de Boudelic. Ma il problema dei metodi di lotta adatti alle condizioni dei sans-papiers rimangono al centro delle divergenze tra il Ministero della Regolarizzazione dei sans-papiers e i sindacati, in particolare la CGT. Quella che segue è una riflessione su quali sono le strade e le forme di auto-organizzazione che i sans-papiers hanno deciso di intraprendere. Noi non possiamo partire in grève partout où on travaille. Nous pouvons participer aux manifestations des grévistes, mais on ne peut pas dire aux sans-papiers, à tous les sans-papiers, de débrayer, de commencer la grève, parce que ce sont isolés, etc. Surtout, une bonne partie des occupants sont les femmes. Ça veut dire les nounous, les femmes qui déménagent, etc., qui travaillent chez des particuliers. Il n'en est pas question de dire aux femmes, bon, partez en grève, elles sont déjà en noir, au travail au noir. Elles ne sont pas déclarées. Elles sont sans papier et leur patron, c'est des particuliers. Bon, partir en grève pour eux, ça veut dire, bon, je quitte le travail au noir. Pour nous, le collectif des sans-papiers, les moyens de lutte sont, tous les moyens de lutte sont bien les bienvenus. Alors que les syndicats nous imposaient un seul moyen de lutte qui n'était pas compatible pour tous les cas. Mais la différence n'est pas par rapport aux moyens de lutte seulement. Les méthodes de lutte aussi, c'était différent. Traditionnellement, en France, comme d'autres pays de l'Europe, on est habitué que des organisations, partis, syndicats, associations, font des luttes pour les droits des sans-papiers. Mais les collectifs des sans-papiers représentent en même temps une différente méthode de lutte. La différence principale réside là-dedans. Les sans-papiers n'ont pas de papiers, n'ont pas de droits, ni pour travailler, ni pour pouvoir créer une association. C'est pour ça que les sans-papiers, quand ils veulent s'organiser, ils sont traités en général comme clandestins, et leur organisation aussi ne sont pas légales. Il faut les légitimer par la force de l'action, de la mobilisation. Tous les sans-papiers espèrent la déposition de leur dossier au niveau de la préfecture. Et les collectifs sont là pour faire ceci. Et la règle pour nous, c'est vous allez gagner vos papiers par votre lutte. Et si vous êtes plus présent et plus actif, vous serez les premiers à être régularisés. Cette méthode est en même temps un moyen de motiver le fonctionnement démocratique des collectifs. Parce que la régularisation, c'est la chose la plus précieuse pour les sans-papiers. Donc, ils sont attentifs. Ils contrôlent leurs délégués, ils contrôlent les listes, ils essaient de voir s'il y a des manipulations et des fraudes ou non. Il y a des discussions tout le temps, etc. Donc, ils ont intérêt à être toujours actifs et vigilants sur le fonctionnement du mouvement, sur les décisions prises, sur les démarches à faire, etc. Ça fait quoi? Ça fait d'une sorte la démocratisation du mouvement, qui est un des plus importants facteurs pour perdurer une mobilisation forte. Nous voyons une sorte d'hypocrisie dans le mouvement des grèves. Parce qu'ils ne voient pas les autres organisations qui luttent dans la même direction. Et en plus, ils cassent le mouvement, disant « Nous sommes pour la régularisation des sans-papiers qui travaillent, et non pas les clandestins. » Nous disons « La régularisation globale de tous les sans-papiers, sans condition, sans exception. » C'est-à-dire les malades, les parents des élèves scolarisés, les sans-papiers qui demandent des papiers par rapport à la situation familiale. Nous avons manifesté devant l'OIT des Nations Unies pour dénoncer le comportement du gouvernement français. Et la nouvelle circulaire qui a tombé à partir du 24 novembre, c'était plutôt
une reproduction de la première, mais plus vague et plus générale. Donc, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils disent, si un travailleur sans papier dépose son dossier à la préfecture, il obtiendra un récépissé de 3 mois avec autorisation de travail. Bon, il y a certains qui disent, c'est bon. Un récépissé avec autorisation de travail, c'est déjà bien. Mais c'est surtout pour blanchir les patrons qui embauchent au noir. Parce qu'un patron dont l'ouvrier dépose son dossier et obtient une autorisation de travail est sauvé. Il va dire, voilà, moi je vais payer mes impôts, les taxes, etc., et les cotisations, je n'embauche pas au noir. Mais l'ouvrier qui a son récépissé de 3 mois, quand il va à la préfecture pour renouveler ce récépissé, on va lui donner une autre récépissé de 3 mois avec autorisation de travail. Donc on va continuer à blanchir le patron alors que l'ouvrier, le travailleur, reste toujours sans papier. Et même s'ils sont régularisés par ce biais-là, c'est-à-dire un travailleur qui a obtenu une régularisation par le travail, ça veut dire quoi? On lui donne un titre de séjour d'un an, renouvelable, à condition que s'il continue à travailler. Donc si pendant un an qu'il a son titre de séjour avec autorisation de travail, si son patron fait faillite, s'il tombe malade, s'il est licencié pour une raison ou une autre, son titre de séjour n'est pas renouvelé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas amener sa famille, envoyer ses enfants à l'école, etc., etc. C'est le travail en précarité. C'est pour ça que nous ne restons pas du tout sur le cadre de la régularisation par le travail, qui est un piège. Et c'est en même temps le slogan de M. Sarkozy pendant les élections. C'est l'immigration choisie. Ça veut dire l'immigration jetable. On interpelle des gens pour venir travailler. Quand ils sont finis, on les jette. Donc, comme on était contre l'immigration choisie, contre l'immigration jetable, nous sommes toujours contre la régularisation choisie et la régularisation qui est jetable en même temps. Ce n'est pas vrai, si on régularise tout le monde, il y aura beaucoup des immigrants qui vont venir. Non, qui va les embaucher? Il n'y aura pas des promesses d'embauche pour les sans-papiers. Parce que les patrons, s'ils vont payer la même chose à un Français ou à un immigré, ils vont préférer les Français. La situation précaire des travailleurs français oblige qu'il y a plusieurs sans-papiers interpellés par les pays. S'ils viennent en France, ils savent bien qu'il y a du travail pour eux. Il y a 150 métiers que les Français ne veulent pas faire. En plus, il y a des métiers que les Français aiment bien faire. Par exemple, les femmes, les jeunes femmes, les ingénieurs, etc., veulent travailler en même temps qu'elles font des enfants. Alors que l'État ne fournit pas des crèches, des écoles, il n'y a pas de foyers pour les vieux, il n'y a pas assez d'hôpital et des services de santé pour les gens malades. Alors qu'est-ce qu'il y a? Les gens qui travaillent avec des salaires qui ne sont pas très hauts que le salaire minimum, ils ont besoin des assistants. Il y a du travail non déclaré partout. C'est une façon, c'est une des façades du réserve de la main-d'œuvre dont a besoin le système capitaliste depuis toujours, depuis 100 ans. Sans ça, ça ne peut pas.